Franchement, c'est tellement simple que je m'en veux de jamais y avoir pensé. Alors, donc, vous téléchargez le fichier. Vous aurez le lien dans la description. Vous le mettez où vous voulez. Moi, j'ai choisi de le mettre sur le bureau. Vous faites une extraction. Là. Vous rentrez dans votre dossier. Il va vous falloir extraire le fichier zip, qui est en gros le logiciel. Voilà, ça vous crée un dossier qui s'appelle Release. Moi, personnellement, j'ai choisi de renommer en EFT Filter, je crois. EFT Lut, c'est pas grave, peu importe. Et ensuite, bah, vous pouvez lancer le fichier, le .exe, donc que vous aurez renommé ou pas. Et on arrive sur cet écran. Alors, avant de commencer à bidouiller, etc., moi, j'ai choisi de l'épingler à la barre des tâches. Comme ça, je l'aurai directement sous mon doigt. Et comme ça, si je ferme l'application, je l'ai directement, je peux recliquer en bas. C'est super pratique. Donc l'application se présente comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est SDR Lut. On s'en fout de HDR Lut. Vous allez choisir votre écran. Moi, en l'occurrence, c'est mon 48 pouces OLED. Vous cliquez sur Browse. Vous allez aller chercher votre fichier. Et donc, il y a trois configurations. Il y a contraste faible, interchange et labs. Et donc, vous choisissez l'écran sur lequel vous voulez l'appliquer. Vous faites Apply. Vous voyez, le fond d'écran change de tonalité de couleur. C'est beaucoup moins beau. Mais à la limite, c'est pas grave. C'est ce qu'on veut. Donc, je vous montre un petit peu en activant, désactivant, ce que ça fait sur mon bureau. Et on n'oublie pas un gros big up à Deal Hero qui a mis cette chose au goût du jour. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est en anglais. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous souhaite une très très bonne journée.